On s'est dit avec le maire il a validé la proposition, à dire ben on a des enfants d'une classe de CM2 sur le territoire, comment les sensibiliser à leur milieu, comment leur faire prendre en compte cette particularité, ces lieux qui sont exceptionnels sur leur territoire, comment faire en sorte qu'ils puissent se l'approprier pour pouvoir vivre et dans un cadre de vie intéressant. Et donc ici, pour vieux habitants, ben, au lieu d'aller chercher autre part sur d'autres communes, nous avons construit un dispositif qui permet à tous les enfants de la commune de la classe de CM2 de venir sur un lieu et de découvrir leur espace naturel de proximité. L'objectif, in fine, est permettre que ce cadre, que ce lieu, puisse devenir dans le futur un outil permanent où toutes les classes de CM2, où toutes les classes de la commune puissent venir visiter différents milieux. Et on a une chance ici, sur ce milieu, c'est qu'on retrouve plusieurs caractéristiques. De la forêt sèche, par exemple, de la forêt humide, la mer pas très loin, et puis aussi certaines espèces, les crabes, voilà, différentes espèces. Des journées comme aujourd'hui permettent de sensibiliser les jeunes à leur écosystème, à leur environnement.